Ah, j'ai trouvé. Bonjour, je reste pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, déjà j'espère que ça va moins bouger que d'habitude. Je vais vous faire faire un petit tour hein, de tout ce qui s'est passé en jardin depuis les dernières fois que je vous ai montré un peu tout le bordel. Donc là, comme on voit, j'ai une grosse butte. Ça va sur tout le long. Avec une tranchée comme ça. Touc, qui repart comme ça et qui va jusque là pour l'instant. Avec un début de butte là, il faut que je finisse de retourner. Là j'ai plus encore tous les gros tas. Là j'ai plein de feuilles qu'il faut que je ramasse. Là la haie elle est quasiment finie de couper. Il me reste ça mais il faut que je fasse ça à la perche. Il me reste un peu de ce là, un peu de ça là, puis pareil un peu de là-bas. Mais sinon c'est fini. Après j'ai ce noisetier là à couper encore. Donc ça va me faire encore un peu de broyat. Et là j'ai une poubelle entière de broyat. Plutôt content. Hop, ça c'est bien avec ma mère. Niveau avancé dans les projets, je vous avais dit. Bon, je vous ferai une vidéo complète en fait. Hop. Donc, le cerisier, il a été bougé. Il est derrière la boîte là, juste là. Je sais pas si on le voit bien parce que du coup, la caméra est toute petite. Je vois pas bien qu'est-ce que je filme. Hop. Donc là, il a gelé, hein, ça y est. Les chayotes, elle a gelé. Là, j'ai coupé un peu aussi pour qu'on puisse passer entre la serre et le noisetier. Il m'a juste cette branche là que je vais la débiter. Je vais la débiter. Bon, ben voilà, je viens de prendre ma décision directe. Et en fait, ce qui m'agace, c'est que j'avais pas envie de la couper, c'était pour ça. Ouais, ça, je viens de le couper. Le morceau, il est quelque part par terre, mais je saurais pas vous dire où. Je sais qu'il est pas là. Bon, pas bref. Donc ça, il va falloir que je m'en occupe. Je vais m'en occuper juste après avoir tourné la vidéo, je pense. Une fois que ça sera fait, on pourra passer là. Ça sera bien. Ça me fera encore plus un peu plus de broyat. Après, bah là, c'est pareil. Tout ça, c'était broyé. J'ai broyé du sapin. Je me suis récupéré deux sacs de sapin et un sac de bambou. Ça va être le bon bout. Je sais pas si on voit bien comme il faut. Donc là, après, j'ai encore ça à broyer. Ma cabane. Pareil, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. Voilà. Donc en gros, il me reste que cette partie-là de la haie à couper. De là, je coupe comme ça jusqu'à là. Là, par là. En gros, j'ai quasiment plus rien à couper. Donc c'est déjà une bonne chose de faite, on arrive au mois de décembre. Donc ce qui serait bien, ce serait d'avoir fini de couper tous les arbres au mois de décembre. Parce que là, c'est pareil, le laurier, je l'ai coupé. J'ai refait sa taille pour qu'il soit un peu en boule. Puis j'ai coupé un peu en dessous pour qu'on puisse voir le lapin. Le lilas, c'est bon, je pense pas que j'y retouche. Je sais pas encore. Là, j'ai coupé l'allée là. Voilà, ici j'ai planté des jacinthes et du coup j'ai retourné un petit peu la bande. Ici j'ai coupé là, c'était quand? Vendredi soir, samedi, je sais plus, non vendredi soir. Voilà. Puis là, il y a une chance que je coupe les deux là, ici. Parce que là, il y a un petit forestier et j'aurais bien lui laisser prendre de la place. Voilà. Et merci à tous ceux qui regardent la vidéo, merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout le tralala. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Allez, bye bye. Tiens, il est là le trou. Vous voyez? Couper ça et ça, j'ai mis 10 minutes à le couper, donc ça m'a empêché. Mais bon, c'est pas grave. Allez, bye bye. Sur le bouton, nouvelle caméra, c'est compliqué.